Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bokeh. Aujourd'hui, je vais vous parler d'accessibilité. Donc cette vidéo est une présentation générale et non exhaustive des grands principes d'accessibilité sur un portail Bokeh. Pour avoir un portail accessible, il est important d'être attentif à l'accessibilité à chaque modification effectuée sur le portail, que ce soit lors du développement, lors de la création ou de la modification de la charte graphique, ou bien lors de la publication du contenu. Je ne vais pas rentrer dans le détail du RGA ici, mais j'ai prévu de faire d'autres petites vidéos pour détailler certains tests à effectuer lors de ces différentes phases. Donc l'accessibilité doit prendre en compte toutes les situations de handicap, temporaires ou permanents. Je vais vous présenter rapidement quelques usages spécifiques. Par exemple, certaines personnes déficientes visuelles vont avoir besoin d'agrandir le texte, alors que d'autres vont utiliser un lecteur d'écran. Pour les personnes porteuses d'un handicap auditif, les transcriptions audio et vidéo sont indispensables. D'autres personnes ne vont pouvoir naviguer qu'avec un système de saisie ou de pointage spécifique. Et pour les personnes présentant des difficultés cognitives, les images et les icônes peuvent faciliter leur navigation. Les normes d'accessibilité se basent sur quatre grands principes. Un site doit être perceptible. Le site doit faciliter la perception visuelle et auditive du contenu. Par exemple, on doit proposer des alternatives textuelles au graphique, au contenu audio ou au contenu vidéo. Il doit être utilisable aussi bien de façon tactile qu'au clavier ou à la souris. Il doit être compréhensible, son fonctionnement doit être prévisible, sa navigation et son utilisation facilitée. Et enfin, il se doit d'être robuste, compatible avec les technologies d'assistance et l'usage nomade. De ces quatre grands principes découle toute une ribambelle de tests. Donc nous avons des tests automatiques et des tests manuels. Faire des tests automatiques ne nous dispense pas de faire des tests manuels. Donc là, je vais vous présenter trois tests qui sont faciles et rapides à effectuer, qui ne nécessitent pas la mise en place d'outils spécifiques et qui permettent quand même de s'assurer qu'une personne a accès aux fonctions principales du site et qu'elle ne restera pas bloquée sur une page. Donc le premier test que je vous propose, c'est la vérification du titre de page. Pour une personne utilisant un lecteur d'écran, le titre de page permet de se retrouver dans les différents onglets. Donc on a besoin d'avoir dans le titre le nom du site et la page que l'on consulte. Par exemple, sur mon site ici, j'ai dans le premier onglet Accueil Agenda. Alors, je suis bien sur la page Agenda. Par contre, Accueil, ça ne veut rien dire. Pareil pour mon résultat de recherche, j'ai Accueil qui s'est accolé. Alors, dans Bokeh, ce qui va s'afficher sur le titre, c'est ce qu'on aura défini dans le libellé du profil. Donc, dans ce cas, je vais aller dans la partie administration, modifier le libellé de mon profil. Ici, j'ai accueil, donc je vais mettre démo, OK. Et si je recharge mes pages, accueil va se transformer en démo Bokeh, et la personne va pouvoir identifier que je suis bien sur le site démo Bokeh et pas ailleurs. Donc ici, j'ai bien dans le titre Démo Bokeh Agenda. Ici, c'est la page de notice. On a bien le nom de la notice suivi par Démo Bokeh. Et mon résultat, puisque j'ai fait une recherche avec chat, donc j'ai bien résultat pour chat dans mon site Démo Bokeh. Le deuxième test que je peux vous proposer, c'est l'agrandissement du texte. Donc pour cela, on va utiliser la touche CTRL que l'on va garder enfoncée avec plus ou bien la touche CTRL gardée enfoncée et la molette. Donc par exemple, ici, je vais agrandir.
Donc, on va vérifier plusieurs points. Donc, déjà que les textes grossissent bien. Ensuite, que le texte ne disparaît pas ou n'est pas coupé. Donc, si on regarde bien, là, c'est le texte de mon logo a disparu. Ici, alors, quand je suis en mobile, c'est bon, mais quand je suis ici, c'est pas bon. Il faut vérifier aussi que les boutons restent visibles et sont utilisables, ce qui n'est pas le cas ici. Ici, j'ai mon bouton de connexion qui s'est mélangé avec mon bouton de recherche. Ensuite, je vais vérifier que le texte, les images et les autres contenus ne se chevauchent pas. Donc, par exemple, j'ai le logo qui se chevauche avec le menu. Et le dernier test à faire, c'est de vérifier qu'il n'y a pas de barre de défilement horizontale qui apparaît lorsque l'on agrandit le texte. Donc là, je vais agrandir au maximum, je vais passer en mode mobile. Et je n'ai pas de barre de défilement qui s'affiche. Le troisième et dernier test que je vous propose, c'est la navigation au clavier. Donc une personne qui ne navigue pas avec une souris ne doit pas se retrouver bloquée dans le site. Elle doit avoir accès à tous les liens disponibles sur le site. Donc si je reprends mon site, donc on va se remettre en taille normale. Il faut que le curseur, le pointeur soit visible. Donc là j'ai le pointeur sur accueil. Si j'utilise la touche tab, je vais me retrouver sur info pratique, puis sur agenda. Donc ça c'est tout à fait logique. Donc on vérifie l'ordre de tabulation. Si je fais shift tab, je reviens en arrière. Ensuite, si j'appuie sur Entrée, c'est que je valide. Donc, ce qu'on peut vérifier, c'est que on a accès à la connexion, qu'on puisse faire une recherche, qu'on a accès à tous les liens. Donc là, je parcours, je vois que j'ai accès aux pages, que je peux sélectionner à l'aide de la touche Espace les facettes et les désélectionner. Je ne sais pas si vous voyez là, ok, c'est sélectionné, désélectionné. Et que je peux valider en appuyant sur Entrée. Donc là, j'appuie sur Entrée, ça me recharge la page avec les facettes sélectionnées. Donc bien tester que la personne peut se connecter, que la personne peut consulter un document, qu'elle a accès à tous les liens, notamment des menus, et qu'elle peut réserver un livre. Voilà, c'est tout pour cette introduction à l'accessibilité. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Bokeh.